je m'en souviens pas exactement. Je sais que j'ai passé la barre des 100. Je dois être à quelque chose comme 130 ou 140 depuis la S Vitré en CFA. Du coup, j'ai commencé on va dire, à haut niveau à la S Vitré en CFA. Ensuite, je suis parti à Orléans en CFA, où là, on a accédé au national la première année où je suis arrivé. J'ai fait donc 3 ans en tout à Orléans. Ensuite, je suis parti au Poiré Survie, où là-bas, j'ai fait 1 an. On a joué la montée aussi, où j'ai fini à 17 buts, où on a fait une super saison. Et ensuite, je suis parti au Red Star pour 3 ans, avec la montée en Ligue 2. Et puis je suis arrivé là en janvier cette année. Bah, récemment, celui que j'ai inscrit en bicyclette, j'avais un petit peu un challenge avec mon agent dans ma carrière de mettre un but en bicyclette, donc c'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc voilà, je suis assez content de ce but. Et puis aussi celui avec le Red Star dans l'année de la montée, l'année dernière, où d'ailleurs il a fini le plus beau but de la saison. Avec, en fait, c'est un enchaînement sur un long ballon du défenseur, amorti de poitrine, il est volé derrière. Et je crois que celui-là, c'est peut-être le plus beau que j'ai mis. Et aussi, il était très important, donc je dirais celui-là. Ouais. Okay. Je sens. Moi, je compare un peu le championnat donc de D1 bis à un peu un haut national fin de Ligue 2 en France. Là, c'est à peu près le même niveau. Après, ce qui est bien ici, c'est que je trouve que c'est assez ouvert. On le voit tous les week-ends, il y a des buts sur tous les terrains, il y en a beaucoup. Donc moi qui suis attaquant, c'est plutôt agréable. Il y a aussi un National Ligue 2 en France. Moi, de ma génération, je regardais beaucoup Jean-Pierre Papin. Mm-hmm. Je regardais tous ses buts et c'est vrai que c'était un buteur à l'instinct qui se posait pas de questions devant le but, qui frappait de n'importe où. Donc c'est vrai que je m'inspirais beaucoup de lui, je m'entraînais un peu à frapper dans tous les sens comme ça, depuis tout petit. Et puis voilà, j'ai aussi aimé la carrière de Ronaldinho, de par son talent et aussi de par son naturel en fait. Il ne se prenait pas la tête sur le terrain et il avait une joie de vivre sur le terrain qui fait du bien à voir, surtout à haut niveau où on connaît les enjeux, etc. Donc JPP et Ronaldinho. Merci à tous les supporters et à tout le monde d'avoir voté pour moi pour le joueur du mois. Ça me fait plaisir et puis on va essayer de continuer sur cette envie sur le terrain de gagner et puis en espérant que les résultats suivent derrière et puis soyez présents et puis nous on répondra présents sur le terrain.